m'appelle Marie-Ève Bergeron, je suis conseillère principale aux ressources humaines du contenu créatif. Je suis au CIRC depuis près de 2 ans et demi. Je m'appelle Judith Tremblay, je suis conseillère principale ressources humaines au RH contenu créatif du CIRC du Soleil depuis plus de 2 ans et demi. Avant de travailler au CIRC du Soleil, j'ai occupé des fonctions ressources humaines dans différents milieux, dont principalement en environnement télévisuel, mais aussi dans les domaines de l'ingénierie et la recherche-développement. De mon côté, avant de travailler au CIRC du Soleil, j'ai travaillé en ressources humaines pour une compagnie qui œuvrait dans le développement immobilier, aussi la vente immobilière dans les centres de villégiature, puis j'ai aussi travaillé en hôtellerie. Notre rôle en tant que généraliste ressources humaines, c'est d'accompagner, c'est de coacher, c'est de conseiller les gestionnaires à travers les différents aspects et processus ressources humaines. À titre d'exemple, on peut intervenir dans différentes situations ou de projets de développement organisationnel, de revision de processus de travail, de changement au niveau de la structure organisationnelle. Ça peut aussi être à titre conseil auprès des gestionnaires pour la gestion de changement, climat de travail, relations de travail, affectation à l'international ou le redéploiement des ressources internes sur les différentes équipes de prod. On a la chance de travailler en collaboration avec différents spécialistes ressources humaines, dont l'équipe de développement organisationnel, l'équipe de formation, la rémunération, les avantages sociaux, l'immigration, il y a l'acquisition de talents, j'espère que j'en oublie pas. Non, c'est bon. Puis il y a les défis aussi qui sont reliés à l'international. Ça nous permet vraiment d'élargir notre portefeuille de compétences. Mais donc, on est exposé à différents défis, ils peuvent être opérationnels, ils peuvent être très terrain. Il n'y a pas une journée qui est type, donc ça change à tous les jours. Des fois, il y a des urgences, des fois, on travaille sur des projets qui sont planifiés depuis longtemps. Ben moi, depuis que je suis toute petite, que j'ai envie de travailler au CIRC du Soleil, parce que c'est une fierté québécoise, puis j'avais envie d'en faire partie. Donc, lorsque j'ai vu le poste affiché de conseillère principale en ressources humaines il y a près de 3 ans, j'ai décidé d'appliquer puis de tenter ma chance.